Au nom de Jésus, nous prions. Aidez-moi à crier la solution finale. Jésus, vous allez l'expérimenter au nom de Jésus. Père, nous voulons vraiment te dire merci pour cet instant. Nous te bénissons, Seigneur, pour la manifestation que tu fais au milieu de nous. Merci pour ta miséricorde et merci pour ton pouvoir que tu as préparé et la provision que tu as faite disponible pour tout le monde de tes enfants ici. Je prie, Seigneur, que aujourd'hui soit le jour de la percée, le jour de la manifestation de la puissance, le jour de la guérison et de la délivrance, et le jour où tu vas magnifier ton Saint-Nom au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, nous considérons à ce message les maîtres issus de guérison de Jésus. Et je voudrais vous lire dans Ésaïe chapitre 53. Je lis à partir du verset 4. Ésaïe chapitre 53, le verset 4. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme frappé de Dieu et affligé, mais il était blessé pour nos transgressions. Il était brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Les yeux purs pour regarder à l'iniquité, il ne peut pas regarder au péché, de regarder le mal. Et c'est pour cette raison que lorsque le mal ou les méchancetés des hommes et de toute l'humanité, les péchés de la race humaine, les transgressions sur les transgressions des transgresseurs, lorsque tout était descendu sur Christ, le Seigneur Dieu éternel, Dieu Tout-Puissant au ciel, le Tout-Puissant, s'est détourné les regards de lui. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était à cause de cette réalité que Dieu le Tout-Puissant s'est détourné de lui du regard et l'a laissé frapper, l'a laissé affliger, l'a puni. La punition que nous aurions dû souffrir est trop puissante pour nous. Et l'affliction que nous devions porter, parce que lui, il a pris le truc volontiers, et c'est pour cette raison qu'il a été frappé de Dieu. Et il dit que lui, Christ, a été blessé pour nos transgressions. Et les blessures que nous aurions dû recevoir et la punition que nous aurions dû prendre, tout est descendu sur lui. Il était blessé pour nos iniquités. Nos iniquités, nos péchés, nos transgressions, nos échecs ont amené les blessures sur lui. Les blessures sur ses mains. Les blessures sur ses pieds. Les blessures dans ses côtés. Tout cela était causé par nos transgressions et nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous n'aurions pas dû avoir la paix avec Dieu si ce n'est à cause du châtiment, si ce n'est à cause des blessures, si ce n'est à cause de la souffrance qu'il a soufferte. Et le prophète maintenant nous dit, par ses meurtrissures ou avec ses meurtrissures, nous sommes guéris. La guérison du corps a été révélée de la part de Dieu depuis le commencement de la Bible.
Et pour t'avoir, pour avoir, j'allais dire, la guérison, ce Christ devait souffrir. Et il a porté les blessures, tout comme il était blessé pour nos transgressions, pour que nous puissions avoir le pardon de la part de cette transgression, pour cette transgression, nous devons nous repentir. Nous devons croire. Et le Seigneur, sur le Seigneur Jésus-Christ, la même chose se produit. Il a les blessures. Et ces blessures, ces maîtrises sont sur lui. Et pour que nous puissions être guéris, nous devons venir à lui. Nous devons invoquer son nom. Et nous avons également l'obligation de chercher l'origine, la source de cette maladie et nous débarrasser de la source afin d'avoir la foi en lui. À cause de ce qu'il a fait, nous aurons la guérison. Nous venons dans Genèse chapitre 20. Je lis le verset 1. La première mention de quelque chose dans la Bible est très importante. Et voici la première fois où a été mentionnée la guérison. Et la première fois s'est mentionnée la prière, la guérison. Et la première mention de réception de la guérison pour un individu, pour une famille et pour le peuple qui était affligé. Je viens dans Genèse chapitre 20 et je lis dans le verset 7. Regardons le verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Ici, c'est la première mention de la maladie, d'infirmité, messager de la mort, venant sur un homme qui était un roi. Il a fait quelque chose de mauvais. Il a pris la femme de Abraham. Et à cause de cela, les afflictions sont descendues sur lui. À cause de cela, la maladie était venue. Et à cause de cela, une infirmité mortelle était là. C'est la stérilité qui était aussi là. Et le Seigneur dit, il y a une seule voie pour la guérison. Restons à cet homme sa femme, parce qu'il est un prophète, et lui va prier pour toi. La première maladie est descendue, comme le résultat c'est quoi? À cause de la toucher d'une femme de prophète. Et ce même prophète maintenant va prier pour Abimelech qui a pris la femme d'Abraham et à sa maison, et après qu'il aura fait la bonne chose, il sera guéri. Après que vous aurez fait ce que Dieu espère de vous, votre guérison est garantie. Vous n'avez pas entendu cela, hein? Je dis, votre guérison est garantie. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Que si Abimelech avait cherché des aides humaines et des docteurs, des médecins, et n'avait pas fait ce qu'il aurait dû faire, il ne serait pas guéri. Parce que ce mal, c'était à cause de ce qu'il avait fait. Et le Seigneur a dit, la solution finale et la solution complète, c'est que tu devais venir à lui. Et la solution va venir après que tu auras restauré la femme d'Abraham. Je vais dire une autre chose. Si tous les hommes dans le monde étaient des médecins,
tout le monde dans le monde, tout le monde dans le monde là. Tous les hommes, toutes les femmes dans le monde entier étaient des médecins et des infirmières. Si toutes les maisons dans le monde étaient des hôpitaux, le mal serait toujours là et les gens seront malades. Si tout le monde était médecin, si toutes les femmes étaient des infirmières, si toutes les maisons étaient des hôpitaux, les gens seront toujours malades. Pourquoi? Parce que c'est à cause du péché. Le péché amène la maladie. Et si tous les hommes dans le monde étaient des médecins, si toutes les femmes dans le monde étaient des infirmières, si toutes les maisons dans le monde étaient des hôpitaux, il y aurait toujours des gens malades qui ne seraient pas guéris. Pourquoi? Parce que s'ils ne font pas ce que Dieu espère qu'ils fassent, ils ne seront pas guéris. Maintenant encore, restons à cet homme sa femme, car il est un prophète, et il priera pour toi, et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que, tu... Qu'est-ce que je suis là? Tu vas mourir. Tu mourras toi et tout ce qui t'appartient. Nous avons appris quelque chose ici. Abimélec était le seul qui avait enlevé Sarah, femme d'Abraham. Oui, c'est vrai, il a envoyé des messagers, il a envoyé des gens, mais ces messagers n'étaient pas partis de leur propre gré. Ils n'auraient pas dû avoir une intimité ou bien connaissance charnelle avec la femme d'Abraham. Abimélec seul voulait le faire. Il n'avait pas même fait ça, hein? Le péché était là avec l'intention. Le péché visualisé, le péché qui était là, il voulait commettre, qu'il n'avait pas encore commis, avait amené la maladie, non seulement sur lui seul, mais sur toute sa maison, tous ceux qui étaient là, tous ceux qui sont dans sa maison. Et le Seigneur lui a montré maintenant la voie de la guérison, la voie d'échapper. Dieu merci, il a fait ce que Dieu lui avait dit de faire. Dieu merci, vous ferez ce que Dieu vous a appelé à faire. Amen. Verset 14. Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes et les donna à Abraham. Regardez ce que ce roi-là. Et on va dire, c'est un roi païen, un roi qui n'est pas de la tribu, d'aucune des tribus d'Israël. Malgré cela, lorsqu'il a fait ce que Dieu lui a dit de faire, il ne l'a pas fait avec malice, il l'a fait avec bonne volonté, avec tout cœur. Et il a donné encore tout ce que Dieu n'a même pas mentionné. Il a donné tout cela à Abraham. C'est quelle leçon pour nous ici? Que lorsque Dieu nous dit de faire quelque chose, nous devons le faire avec la bonne volonté. Nous devons le faire avec tout notre cœur. Et nos bénédictions seront finales. Et notre solution sera finale au nom de Jésus. Mais regardez à ceci. Si c'était tout ce qu'il avait fait et qu'il... Il a donné des brebis, il a donné des bœufs, il a donné des serviteurs, des servantes à Abraham. S'il avait fait seulement cela, il n'avait pas restauré la femme, Sarah. Il serait encore mort. Pourquoi? À quoi sert pour un homme, s'il gagne le monde entier et qu'il perde son âme, une seule personne est plus grande, est plus élevé,
a plus de valeur que tous les bœufs, que toutes les brebis et que tout ce qu'il avait donné. Sarah était la personne en question. Et si il n'avait pas retourné Sarah, il était toujours dans la maladie. Mais il pouvait aller pour dans les hôpitaux dans sa nation, en dehors de sa nation et partout, mais la main de Dieu était toujours là. S'il n'avait pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, il aurait dû mourir. Mais Dieu merci, il avait fait cela. Dieu merci, vous le ferez également. Il a restauré et il lui rendit Sarah, sa femme. Regardez le verset 17. Abraham pria Dieu. Vous savez, il y a des gens qui, vraiment, ils sont très, très, ils courent pour aller prier. Ils vont prier. Ils courent partout pour prier. Ils aiment tellement la prière. Ils ont le désir de prier. Abraham n'avait pas prié sur lui jusqu'à Dieu avant qu'il ne fît ce que Dieu lui avait demandé de faire. Avant qu'il ne restaurât Sarah, Abraham n'avait pas prié. Pourquoi? Parce que Dieu, comment je vais prier? Je suis mécontent. Est-ce qu'il était en train de rendre le coup? Non, il ne rendait pas le coup. Il n'était pas en colère. Non, parce qu'il connaissait le principe de Dieu. Il connaissait les préceptes de Dieu. Il connaissait. Fais ceci, après cela, tu auras ceci. Abraham va prier pour toi. Et Abraham était en accord avec Dieu. Et à cause de cela, Abraham n'avait pas couru pour aller prier. Commencez pas. Lorsque nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions, la prière qui est faite sera efficace dans la vie de chacun de nous. Vous n'avez pas dit amen? Alors, Abraham pria Dieu et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes et elles purent enfanter. Dieu va exaucer à nos prières. Regardez-moi le amen. Nombre chapitre 21, le verset 4. Nombre chapitre 21, le verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Égypte, d'Édom. Le peuple s'impatienta en route parce que ils étaient sur la voie. Ici, c'est une autre situation. C'est le découragement dans le cœur peut amener la dépression, la détresse et finalement amener à la maladie. Nous devons vivre une vie heureuse. Nous devons vivre une vie joyeuse. Une vie heureuse. Un cœur joyeux travaille comme un médicament. Ça, c'est les proverbes qui disent ça. Hein? Si vous êtes content, si vous êtes joyeux, la joie de l'Éternel, la joie dans votre cœur est la source de votre force. C'est votre force. Et vous serez content. C'est pour cette raison que nous ne devons pas être négatifs dans la vie. Là. Regardez ceci, nous sommes déprimés. Regardant ceci, nous sommes déprimés. Il y a certaines personnes qui doivent écouter les mauvaises nouvelles, les nouvelles décourageantes. À tous les jours, ils doivent écouter de nouvelles avant d'aller s'endormir. C'est comme s'ils sont en train de chasser les mauvaises nouvelles. S'ils n'ont pas de mauvaises nouvelles avant de dormir, ils ne vont pas dormir. Ils cherchent. Je n'ai pas entendu ma nouvelle aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé dans le village? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Lorsque vous vous adonnez à entendre les mauvaises nouvelles, les mauvaises actions, les mauvaises choses, avant de vous endormir,
et c'est tous les jours que vous le faites, vous serez probablement dans la maladie et demeurez dans la maladie. Parce que la nuit là, tout ce que votre pensée, votre subconscient avait pris comme pensée serait les mauvaises nouvelles que vous aurez avant. Et tout, c'est ce qui sera repris dans vos rêves. C'est pourquoi lorsque vous finissez dans votre bureau, laissez tout au bureau et revenez à la maison et adorez avec votre famille et avec Dieu, dans la parole de Dieu avant de vous endormir. Mais à cause de la façon dont vous pensez, vous parlez de cela, ils étaient découragés. Attendez un peu. Moïse était là aussi, non? Il marchait également comme eux. Aaron, Marie, Josué, Caleb, eux aussi marchaient dans le même chemin. Ils n'étaient pas les seuls. Nous marchons dans le même chemin. Malgré cela, ils n'ont pas permis au découragement. Découragés à cause de la voix. Et le peuple s'impatienta. Et ils ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Le découragement affecte le cœur. Et de l'abondance du cœur, la bouche déverse des propos. Et à cause de ce qui est dans leur cœur, ils ont commencé par parler et ils ont dit, ils ont parlé contre Dieu et ils ont parlé contre Moïse. Ah, c'est pourquoi nous a-t-il amené monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert. Il y a certaines personnes, ce n'est pas qu'ils veulent mourir, hein, mais c'est-à-dire, la mort n'est pas loin de leur bouche. Je vais mourir. Certaines personnes, un petit problème arrive et la mort n'est pas loin de leur bouche, de leur langue. Ils vont déverser. Je vais partir maintenant. Ah, je suis parti. C'est fini pour moi. C'est même mieux. Dieu, prends soin de mes enfants. Je m'en vais. Faut pas parler de la mort comme ça. Faut pas aimer la mort et inviter la mort. Tu veux mourir maintenant, c'est ça, non? Tu veux mourir avant le temps? Pourquoi tu invites la mort? Pourquoi tu dis à la mort de venir? Ils invitaient la mort. Moi, je ne veux pas inviter la mort. Le plus vieux je deviens, le plus fort je serai. Le plus vieux je serai, le plus en bonne santé je serai. La mort reste loin de moi. Moi, j'ai encore du travail à faire. Vous n'avez pas dit ça, hein? J'ai encore du travail à faire. Vous n'allez pas mourir. Regardez le verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple. Et il mourut beaucoup de gens en Israël. Regardez-moi ici. Si quelqu'un mange la manne du ciel, tous les jours, et quelqu'un a le plus puissant prophète à sa portée tous les jours, et quelqu'un a toutes les promesses que Dieu a faites, et ces promesses sont oui et amen tous les jours, la maladie peut également venir. Les enfants d'Israël, ils avaient Moïse, et ils avaient Moïse pour eux, tout seuls. Les enfants d'Israël avaient la manne qu'ils mangeaient tous les jours. Les enfants d'Israël avaient l'alliance de guérison que Dieu avait dit, « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Mais la maladie était venue, toujours. La mort était là malgré tout ça. Pourquoi? Leur langue, leur transgression, je vais dire ceci encore. Si tous les hommes dans le monde entier étaient des médecins, et que toutes les femmes dans le monde étaient, toutes les femmes étaient des infirmières, si toutes les maisons, villas, ceci, par là, tout était des hôpitaux, il y aurait toujours la maladie. Il y aurait toujours la maladie. Tu serais malade, ou les gens seraient malades. Allez, un peu plus que ça. Si tous les hommes dans l'église étaient des guerriers de prière, et toutes les femmes dans l'église
étaient des guerriers de prière. Ceux qui seront toujours malades. Leur langue, leur transgression sera toujours là pour leur donner la maladie. Voilà la raison pour laquelle nous sommes découragés. Et comme ils étaient découragés, ils commençaient à parler contre Moïse et contre Dieu. Les serpents sortirent et commençaient par les mordre. Et beaucoup de personnes, beaucoup, étaient tombées malades et moururent. Mais il y a une voie, un échappatoire hors de cette maladie, hors de cette infirmité. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché. Comment Abimélèque a-t-il reçu la guérison, la délivrance? Et comment Dieu avait-il arrêté le coup de cette maladie, de la pénalité de la mort? C'est pas la repentance, la restauration et la restitution. Et le peuple ici a fait la même chose. Et le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie à l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. La repentance avant la prière. Sortir et confesser, se détourner de leurs péchés avant la prière. Si nous faisons ce que les gens de la Bible ont fait, nous aurons les miracles que ces gens avaient reçus. Je vais le dire pour moi-même alors. Si je fais ce que ces gens de la Bible ont fait, et ce n'est pas seulement prier, sans la repentance, sans le détour. Si nous faisons ce que ces gens de la Bible ont fait, nous aurons les mêmes guérisons, les mêmes délivrances, les mêmes miracles, les mêmes signes et prodiges que ces gens de la Bible ont reçus, vous les aurez au nom de Jésus. La dernière partie du verset 7. Moïse pria pour le peuple. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Le leader doit faire ce que Dieu espère que nous fassions. Les pasteurs doivent faire ce que Dieu espère de faire. Il y a certains pasteurs, ils sont également des guerriers de prière. Et ils prient beaucoup. Et ils se demandent pourquoi c'est évident que le peuple, la majorité du peuple, n'est pas guéri. Dieu a dit à Moïse, il lui a dit, fais-toi un serpent brûlant. Fais-toi un serpent brûlant et fais tout ça avec le bronze. Et mets ça sur une perche. Seigneur, mais le peuple souffre déjà. Certains sont en train de mourir. Et le moment où je vais aller chercher le bronze et commencer par faire le serpent, le temps est parti. Je vais commencer par prier pour eux maintenant. Ils ont dit de prier et je vais prier, Seigneur. Il est prêt. Je suis prêt à, je les aime. Je suis prêt à mépriser ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. Dieu a dit non, jamais. Va te faire un serpent brûlant. Toutes les fois, le temps que tu es en train de perdre et tu ne fais pas ce que je fais, les gens vont mourir de plus. Si tu fais le serpent brûlant, tu le mets à la perche et tu leur demandes, je dois vous parler, je dois vous donner l'instruction.
pendant que tu donnes l'instruction, que tu enseignes, ne penses-tu pas que beaucoup de gens vont continuer de souffrir? C'est ce que Dieu a dit, non? Et il faut le faire. Comme le peuple fit ce que Dieu leur a demandé de faire. Le prédicateur, le prophète, le pasteur doit également faire ce que Dieu lui a dit de faire. Parle à ton peuple. Dis-leur que la solution, c'est là. La solution finale, c'est là. Qu'ils regardent et ils seront guéris. Mais comme Moïse a fait élever le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, la vie abondante, la vie de santé, la vie en bonne santé, la vie progressive au nom de Jésus. Et Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent, la même solution pour tout le monde. Si quelqu'un était mordu par le serpent, il y a des gens qui cherchent de nouvelles, des attentions spéciales. Moïse a dit, voici ce que Dieu m'a appelé à faire. Regardez au serpent sur la perche et tous ceux qui verront cela, grand, petit, éduqué, non éduqué, tout le monde, femme ou homme, tout le monde, jeune comme vieux, si la personne regarde à ce serpent sur la perche, il conserverait sa vie. Si quelqu'un parmi ces gens disait, Moïse, tu me connais, non? Et tu sais que je ne suis pas une personne ordinaire dans la congrégation, tu me connais bien. J'ai écouté ce que tu as dit, la provision générale pour tout le monde, mais moi j'ai besoin d'une attention particulière. Viens toi-même, écoute mon histoire, impose-moi les mains et je serai guéri. Non, tu ne seras pas guéri. Si tous les hommes dans l'église et toutes les femmes dans l'église étaient des guéris de prière, étaient des conseillers, et ils vont donner de l'attention particulière à tout le monde, un à un, ceux qui seront malades, seront malades. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas vouloir recevoir l'instruction de la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas accepter la provision que Dieu a faite. Ils seront en train de chercher une alternative. Mais il a dit dans le verset 9, Moïse a fait un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Vous allez vivre. Moi, je vivrai. Le Seigneur va l'accomplir dans votre vie au nom de Jésus. Ésaïe 53, le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à notre rapport pour avoir le profit de la prophétie d'Ésaïe? Vous devez croire à ce rapport, cette annonce, pour avoir l'accomplissement de ce que les blessures, les maîtrisures de Jésus peuvent faire. Vous devez croire au rapport, croire à ce qui a été annoncé. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Seulement ceux-là,
la main de l'Éternel, le bras de l'Éternel sera révélé. Ça veut dire quoi? Le bras de l'Éternel. Comme un homme, une femme, lorsque vous voulez manifester de la force, le pouvoir, l'énergie, vous n'utilisez pas votre ventre, non, pour démontrer ça. Votre énergie, votre puissance. Vous n'utilisez pas vos yeux pour le faire, pour démontrer la force, l'énergie. Voilà, votre pouvoir, votre fermeté. Vous utilisez vos mains. Vous prenez la chose avec force. La main d'un homme fort et le bras du Tout-Puissant, c'est la force du Tout-Puissant. C'est la force, le pouvoir du Tout-Puissant. Que si lorsque vous croyez au rapport, ce qui a été annoncé, le bras de l'Éternel sera envoyé et manifesté dans votre vie. Le bras de l'Éternel qui guérit et qui délivre sera manifesté dans votre vie. Qui a cru à ce qui a été annoncé? Quel est le rapport? Quel est ce qui a été dit? Le rapport, c'est ceci. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est quoi ce qui a été annoncé? Ce sont de nos douleurs qu'il s'est chargé. Quel est le rapport? Quelle est l'annonce? Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. C'est quoi l'annonce? Il était blessé pour nos péchés. C'est quoi l'annonce? Il a été brisé pour nos iniquités. C'est quoi l'annonce? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est quoi l'annonce? Nous sommes sauvés, nous tous qui étions partis comme des errantes brebis. Nous avons suivi chacun sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Si nous croyons ce rapport, cette annonce, et que nous acceptons cette annonce, si nous avons foi en cette annonce, et si nous disons, le Dieu Tout-Puissant, l'Esprit Céleste, a placé toutes mes iniquités, toutes mes transgressions, et toutes les conséquences de mes péchés, tout a été imposé à Jésus. La guérison est définie. Le salut est garanti. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Je voudrais lire là le verset 16. 8 verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Lui, Christ, le Sauveur, notre guérisseur, notre Rédempteur, notre Libérateur, a chassé les esprits par sa parole. Et il guérit tous les malades. Il y avait des enfants d'Israël qui ne savaient pas que leur maladie était causée par les mauvais esprits. Mais Christ savait. Il y a des gens qui ne savent pas que l'aveuglement est causé par un mauvais esprit. Mais Jésus savait. Que leur surdité est causée par les mauvais esprits. Mais Jésus le savait. Que leur mudité ou leurs enfants qui étaient muets étaient la cause des démons. Mais Jésus savait. La femme qui était courbée 18 ans, elle ne s'est jamais redressée. Mais elle n'a jamais su que le fait qu'elle soit ainsi était causé par un esprit d'infirmité. Et Jésus le savait. Et s'il y a quelqu'un qui a un mauvais esprit, il ne l'appelle pas mauvais esprit. Elle ne l'appelle pas le mauvais esprit. Mais elle embrasse cet esprit. Elle aime cet esprit. Elle va avec cet esprit comme un compagnon constant. Pourquoi? Parce que elle dit, si quelqu'un m'offense,
et que je dis à celui-là, tu vas mourir. La personne va mourir effectivement. Si cela se produit, ça c'est l'opération de mauvais esprit. Jésus allait faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable. Comme le Saint-Esprit parle au travers de nous et la guérison parvient vers vous, le mauvais esprit parle au travers d'une autre personne et la maladie peut venir. Alors, s'il y a des gens qui se réjouissent et qui disent « j'ai le pouvoir, j'ai le pouvoir » et le mauvais esprit en eux leur donne de prononcer des malédictions et des afflictions sur leurs ennemis, comme ils le disent, et que ces choses arrivent à leurs ennemis, alors ils ont un mauvais esprit. Et lorsque Christ, ou le messager ministre de Christ, veut chasser ce mauvais esprit, on va dire non, non, c'est mon ami, non, je l'utilise, non, c'est mon compagnon, nous sommes compagnons ensemble. Vous allez demeurer malade. Il doit y avoir le relâche de ce mauvais esprit, de sortie de votre vie, et de dire que ton pouvoir est un pouvoir mortel, un pouvoir négatif. Je ne veux rien à faire avec toi. Et tu vas te présenter et ta vie à Christ. Nous allons chasser tout mauvais esprit. Il n'y a pas de mauvais esprit ami. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de mauvais esprit profitable. Et il n'y a pas de mauvais, de bons démons. Tout est mauvais. Il n'y a pas de bons démons. Et tout est démon, tout est mauvais. Et tous ensemble par la parole de Christ seront chassés au nom de Jésus. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Lui-même là, c'est lui-même. Lui-même, il va porter vos infirmités. Il viendra vers vous ce matin. Il va emporter votre infirmité. Actes, chapitre 10, verset 38. Actes, chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ de Nazareth. Attendez, attendez. Il y a des gens, ils pensent que c'est le cri là qui va guérir le malade. C'est l'onction là. Le cri. Le cri sans onction. Hein, battre l'air sans l'onction. Suyer sans l'onction. Courir, sauter sans l'onction. La psychologie sans l'onction et le lavage du cerveau sans l'onction, tout cela, c'est une perte de temps. Il y a une onction qui brise les jougs. Et ce matin, l'onction brisera tout joug dans vos vies. Comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force? La force qui vient avec l'Esprit Saint, c'est la puissance surnaturelle. Et quelle que soit la source de cette maladie ou de cette infirmité, la puissance surnaturelle du Saint-Esprit va guérir et enlever cette infirmité qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Il applique beaucoup de différentes méthodes à différents endroits. Des fois, il parle la parole seulement. Et le serviteur qui est loin, très loin, est guéri. D'autres fois,
Il proclamait, il prononçait la guérison. Directement, retourne à la maison. Ta fille, ton garçon est guéri. Et Jairus retourna dans sa maison et il rencontra les gens qui revenaient de la maison et lui dit, « Ah, ton fils est guéri. » Et il a demandé qu'à quelle heure l'enfant était guéri. Et il leur dit, « Telle heure. » Et il s'est rappelé que c'était la même heure que Jésus avait prononcé la parole. Et le fils était guéri. Le fils était guéri. La parole sortant vers vous. Ça va venir avec puissance. Viens avec guérison. Viens avec la délivrance. Vous êtes guéri et délivré au nom de Jésus. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant combien de personnes? Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. S'il était sous l'empire du diable, opprimé par le diable, il y a certaines personnes qui disent, Dieu les a rendus malades. Si vous attribuez l'œuvre du diable à Dieu, et vous dites, Dieu, c'est ton problème, c'est toi qui as fait ça, Dieu m'a rendu malade, Dieu m'a donné cette maladie, Jésus ne peut jamais enlever ce que Dieu vous donne. Moi et mon Père, nous sommes un. Et je fais toujours ce que je fais, je vois le Père faire. Et si vous affirmez que votre maladie est de la part de Dieu, il m'a donné la maladie pour m'enseigner une leçon. Ok, Christ ne peut pas enlever ce que son Père, ce que toi tu as dit que son Père a donné. Certaines personnes disent, Dieu m'a donné cette maladie pour me rendre humble. Et pendant que j'ai cette maladie dans mon corps, cette infirmité dans mon corps, Dieu est gracieux. Il sait que je serai orgueilleux. Et pour m'aider à ne pas être orgueilleux, il m'a donné cette maladie. Ok, si c'est ta compréhension, tu ne peux pas demander à Jésus, le Fils de Dieu, d'enlever ce que son Père Céleste t'a donné. Dieu ne donne point à qui que ce soit comme croyant la maladie. Je dis, Dieu ne donnera pas à vous, croyant, la maladie. S'il y a une infirmité là, s'il y a un problème là, c'est causé par le diable. Et Jésus fait du bien, allant de lieu en lieu et enlevant les oppressions, les calamités que le diable a placées dans vos vies. Et il le fera ce matin. Car Dieu était avec lui. Souvenez-vous, après que cela est fait, la guérison vient par la maîtrise de Jésus, guérison vient par le châtiment qui est descendu sur lui. Souvenez-vous, qu'est-ce qui a amené cette maladie originellement? C'est le péché. Et après que vous êtes guéri par cette maîtrise, vous devez vous gardez saint par son sang. Jean, chapitre 5. Jean, chapitre 5, verset 14. Après cela, depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Quelqu'un là-bas? Tu as été guéri. Tu es rendu heureux. Il y a la santé, la bonne santé dans toutes les parties de votre corps au nom de Jésus. Regarde, voici, tu as été guéri. Regardez ceci. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. La guérison de Christ, les maîtrises de Christ, ce n'est pas une permission pour la boisson.
Ce n'est pas une permission pour aller fumer de la cigarette. Ce n'est pas une permission pour aller se souiller. Ce n'est pas une permission pour continuer dans le péché. Regarde, tu as été guéri. Ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Souvenez-vous de cet homme qui était malade pendant 38 ans. 38 ans. Verset 5. Il y a un homme qui était là, qui avait une infirmité, 38 ans. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Maladie de 38 ans, guéri par Jésus-Christ. Et Jésus dit, il faut toujours avoir dans ta pensée la douleur que tu avais traversée, la pression que tu avais sentie, le temps, que l'argent que tu avais perdu à cause de cette maladie de longue date. Maintenant que tu es guéri, ne pêche plus, ne retourne plus dans le péché. Que la grâce de Dieu remplisse la place vide de ton cœur. Ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Vous n'allez pas permettre que le pire ne vous arrive. Par sa maître issue, vous êtes guéri. Par son sang, vous êtes sauvé. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, c'est ce qui est important, hein? Après que vous êtes guéri, vous êtes sauvé, quand vous êtes né de nouveau, que vous ne vivez pas la vie négligente, que vous ne vivez pas la vie de votre volonté, la vie de péché, vous ne vivez pas la vie injuste, pensant que, pas le maître, je suis guéri, maître, je suis guéri, pas maître, je suis guéri. Non, il faut savoir, la première partie de ce verset, il dit, étant mort au péché, nous vivions pour la justice. Cette première partie est importante. Après cela, lui par les maîtresses duquel, dites-moi ce qui suit. Lui par les maîtresses duquel, dites-moi ce qui suit. Vous êtes guéri. Vous avez été guéri. Ces maîtresses sont puissantes et très fortes pour guérir tout le monde. Et aujourd'hui, c'est votre jour. Ce matin, c'est votre matin. Jacques, chapitre 5. En Jacques, chapitre 5, le verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Peu importe la sorte de maladie, quelqu'un est-il malade parmi vous? Peu importe la durée de cette maladie et le nom de cette maladie, quelqu'un parmi vous est-il malade? Peu importe, vous êtes femme ou homme. Et c'est une maladie particulière aux femmes ou particulière aux hommes. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. En loignant d'huile. L'huile ici, c'est l'emblème du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur. Le nom du Seigneur va œuvrer puissamment dans vos vies. Et la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera, guérira le malade. N'importe quel temps, à tout moment, le matin, le soir, la prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Le Seigneur vous relèvera. Le Seigneur vous délivrera. Mais regardez ceci, regardez ceci. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Pourquoi ceci est là? Nous parlons de la guérison.
Nous parlons de la prière de la foi. Et nous parlons de l'assurance que la prière de foi va sauver le malade. Le Seigneur va le relever. Maintenant, il dit, si la maladie était causée par un péché que vous avez commis, si nous laissons le péché là, et nous prions seulement, le péché va toujours ramener de plus grandes maladies. Vous serez libérés du péché. Vous serez libérés de la maladie. Et s'il a commis un péché, cela lui serait pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Rappelez-vous ici maintenant, il parle aux croyants. Confessez vos péchés les uns aux autres. En tant que membre de l'Église, vous vivez une vie négligente. Vous avez fait des mauvaises choses, des choses pécheresses. Vous devez faire la restitution, confesser vos péchés les uns aux autres. Mais regardez le passage là. Si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il en appelle aux anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui. Vous êtes un ancien dans l'Église, prédicateur dans l'Église, pasteur dans l'Église, un leader. Si vous avez commis du péché, le péché va empêcher et bloquer la prière que vous faites. Confessez vos péchés les uns aux autres. Il ne faut pas seulement dire, je suis guéri de prière. Tu maltraites ta femme à la maison. Restitue tes voies. Tu es un dirigeant, un leader, un ouvrier. Et l'œuvre de Dieu nous encourage de prier les uns pour les autres. Mais tu es brutal, tu es violent, tu cries sur tout le monde, tu es méchant. Et tu te dis que tu es croyant, tu es ouvrier. Si tu pries, ta prière serait bloquée. C'est pour cette raison qu'il dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres. Plusieurs fois nous avons entendu, ta femme est malade à la maison. Impose tes mains puissantes à ta femme et ta femme sera guérie. Tu la maltraites à la maison et tu la laisses affamée. Tu donnes à ta femme de la colère à tout moment. Et elle doit prier, dit Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas aux actions de cet homme de m'envoyer en enfer. Je n'étais pas ainsi auparavant. Ah, normalement, une femme d'amour, j'étais une femme expressive, j'aimais les gens. Malgré cela, l'homme est là en train de me maltraiter. Je veux l'aimer, mais honnêtement, Seigneur, tu connais mon cœur. Comment je peux aimer quelqu'un qui me bat et qui me frappe? Comment je peux aimer sous cette oppression? Et si c'est cela qui rend la femme malade, alors, Marie, si ta femme est malade, impose-lui les mains et prie. Au nom de Jésus, elle sera guérie. Mais il faut confesser tes péchés à elle. Confessez vos péchés l'un à l'autre. En tant que mari, il faut confesser. Vous vous excusez. En tant que femme, vous devez confesser. Et vous excusez. Et lorsque cela est fait du cœur, que la désobéissance envers la parole de Dieu est enlevée, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Nous serons guéris. Moi, je serai guéri. La prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est cette prière que nous allons faire ce matin. La prière efficace, la prière fervente, du juste, d'une personne juste, sanctifiée, d'une personne remplie du Saint-Esprit, d'une personne consacrée. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière que nous allons faire ce matin va avoir une grande efficacité dans votre cœur, sur votre corps, dans votre vie, dans votre famille, sur vos enfants,
sur votre mari, sur votre femme, sur tous les participants de la retraite. La prière fervente du juste aura une grande efficacité ce matin au nom de Jésus. Êtes-vous prêt pour votre guérison? Êtes-vous prêt pour votre délivrance? Êtes-vous prêt pour votre puissance, la manifestation de la puissance pour vous? Pourquoi ne pas vous tenir debout et commencer par parler à Dieu? Levez-vous, parlez à Dieu. Levez-vous. Dites, Seigneur, me voici. Rappelez-vous, la guérison, d'abord dans la Bible, Abimélec, la première guérison, il devait restaurer d'abord la femme d'Abraham. Ouvre la bouche et parle à Dieu maintenant. Que si j'ai fait quelque chose de mauvais, Seigneur, je ne vais plus faire. Parle à Dieu maintenant. Que le Saint-Esprit sonde vos cœurs. Rappelez-vous, si tous les hommes et les femmes étaient des guéris de prière, si le péché est là, tu ne seras jamais guéri. Si tous les hommes étaient des médecins, si toutes les femmes étaient des infirmières, si toutes les maisons étaient des hôpitaux, si tu embrasses le péché, là tu aimes le péché, tu t'attaches au péché, la maladie serait toujours là. Si tu déposes tes iniquités sur lui, si tu dis au Seigneur, je m'excuse pour toutes les mauvaises choses que j'ai faites. Encore, contre ton commandement, contre ta créature, contre quelque croyant que ce soit, repens-toi et verse des larmes. Ne cache pas le péché. Ne couvre pas le péché. N'aime pas le péché. Ne garde pas le péché de. Ne continue plus dans le péché. Cesse de pécher. Tu as arraché la femme d'autrui. Retourne la femme à son mari. Tu as arraché le mari d'une autre personne, retourne ce mari à sa femme. Tu as fui avec la fille de quelqu'un, retourne la fille à ses parents. Tu as pris l'autorité et l'opposition de quelqu'un, retourne cette position et cette autorité-là. Tu as arraché l'argent des autres, des gens, retourne l'argent-là. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché et dire que la guérison va continuer. Nous ne pouvons pas être en train d'opprimer les autres, opprimer les gens, décourager les gens, donner de la maladie aux gens et dire que nous autres, nous serons en bonne santé. Les maîtrisures de Jésus ne donnent pas la licence, la permission pour continuer dans le péché. Repentez-vous. Restaurez ce que vous devez restaurer. Soyez juste. Soyez lavé dans le sang de l'agneau. Et la prière de la foi, la prière de foi, sauvera, guérit le malade. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et après la guérison, regarde, tu es guéri.
ne pêche plus, ne pêche plus, ne pêche plus, de peur que de pire ne t'arrive. Au nom de Jésus, nous prions. Vos prières sont exaucées. Mes prières sont exaucées. Par les maîtres sûrs de Christ, il va emporter toute maladie loin de votre corps au nom de Jésus. Cette maladie ne va pas vous guérir, vous tuer. Tous les messagers de la mort sont chassés loin de votre corps au nom de Jésus. Votre enfant là va vivre. Votre femme va vivre. Votre mari vivra. Et toutes les oppressions du diable, toutes les opérations des mauvais esprits sont chassées au nom de Jésus. Votre guérison est arrivée. Ma guérison est arrivée. Votre délivrance est arrivée. Ma délivrance est arrivée. Oh, la puissance puissante est descendue. Je suis guéri. Je suis délivré. Je suis affranchi. Je suis rendu libre. Une confirmation dans votre vie au nom de Jésus. Si vous êtes malade, levez la main et imposez-vous l'autre main. Et si vous avez quelqu'un à qui vous pensez, qui peut ne pas être ici, loin quelque part, et il est malade, cette prière va l'atteindre. Retenez leur nom dans leurs pensées. Quand vous levez la main pour eux, Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta révélation. Merci parce que c'est pas ta volonté que quelqu'un parmi nous périsse, que quelqu'un parmi nous demeure dans la maladie, que quelqu'un parmi nous demeure infirme, que quelqu'un demeure faible. Seigneur, je prie dans ton amour, dans ta miséricorde, envoie ton bras, ta puissance dans toutes les mains au nom de Jésus. Donne à ton peuple la grâce d'être obéissant à ta parole. Y a-t-il une femme étrangère qui sont en train de garder, qui est le problème? Une personne, ils ont pris l'argent de quelqu'un, qui est le problème? Est-ce qu'ils ont pris la propriété de quelqu'un dans leur main, qui est en train de donner le problème? Donne-leur la grâce de relâcher toute chose appartenant aux autres au nom de Jésus. Y a-t-il quelque action négligente qui vous rend mécontent avec quelqu'un et maintenant il y a une infirmité dans votre vie? Seigneur, donne à tout le monde la grâce de faire le relâche et de cesser ces choses au nom de Jésus. La grâce pour tout le monde, la miséricorde pour tout le monde, le pardon pour tout le monde, la liberté pour tout le monde, la solution finale pour tout le monde et la guérison surnaturelle, la guérison divine pour tout le monde au nom de Jésus. Touche tout frère, touche toute sœur, touche tout garçon, touche toute fille, touche tout invité. Maladie, je t'ordonne, sors au nom de Jésus. Seigneur, je prie, toutes ces maladies ne vont pas demeurer là. Donne le témoignage dans toutes les bouches et que l'onction qui brise les jougs par ta maîtrise, guérit tout le monde. Confirme le Seigneur, c'est fait, c'est fait dans votre corps,
Dis-le dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma famille. C'est fait. Vous allez retourner dans, vous allez aller dans l'année nouvelle avec une nouvelle force, une nouvelle santé, une nouvelle santé, fermeté, une nouvelle bonne santé, une nouvelle puissance, une nouvelle provision. Vous ne serez plus faible. Vous ne serez plus malade. Aucun habitant du pays ne dira « Je suis malade. » Car toutes leurs transgressions seront pardonnées. Seigneur, confirme-le dans toutes les vies. Il aura des témoignages. Mon frère là-bas, tu auras un témoignage. Ma soeur, ma fille là-bas, tu auras de témoignages. Mon garçon, ma fille, dans l'église des enfants, l'église des jeunes, l'église du campus, vous avez déjà des témoignages. Le Seigneur va remplir votre joie et votre victoire. Et vous serez fort. Et le Seigneur vous donnera la force que vous avez. 20 ans passés, 30 ans passés, vous aurez cette force. 50 ans passés, vous aurez cette force. La puissance qui détruit, l'onction qui est là, que vous aviez perdu, retournez ça au nom de Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions.